الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout man faveur qui Allah peut faire pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut continuer à nous vivre pour nous témoigner sa grande mort Ramadan là. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage, que Allah aide nous pour nous faire maximum ibadat. Et aussi nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qui Allah peut faire pour nous, pour qu'il nous apprenne ce parole. Et parole sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et mando avec Allah, qui Allah met ikhlas, qui Allah met sincérité dans sa action là, pour celui qui peut causer, et aussi pour celui qui peut écouter, qui Allah met ikhlas, met sincérité là-dedans, afin qu'il nous capable de trouver sa action là, sur récompense, sur qiyama. Il y a une petite cause concernant quatre actions que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les posent cette question là à ce moment sahaba qui s'en là parmi eux fin fait telle action qui s'en là parmi eux Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qui s'en là parmi eux qui les fin suivre un janaza qui s'en là parmi eux qui les fin garde un rosa qui s'en là parmi eux veut dire sa zoula qui s'en là parmi eux fin garde rosa qui s'en là parmi eux fin suivre un janaza qui s'en là parmi eux fin donne un miskin manger qui s'en là parmi eux fin al rend visite un qui malade. Et tout ça, mon réponse là, c'était depuis Abu Bakr radiallahu an. Abu Bakr radiallahu an, il dit à moi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, moi fin fait sa bonne action là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa bonne action là, qui nous fait mentionner dans sa quatre actions là, il n'est pas réuni d'une personne, excepté qui, à travers sa bonne action là, les rend de paradis. C'est-à-dire, c'est lui qui, dans un jour, les fait sa action là, sa quatre actions là, Inch'Allah, ça peut aider lui pour les gains paradis. Il est vrai qu'un démon, peut-être tous les jours, il va pas capable faire sa bonne action là. Tous les jours, il va pas capable faire sa bonne action là. Mais nous, bizarre, nous mettons une target. Par exemple, minimum, une fois dans un mois. Une fois dans un mois, un jour, je fais des efforts, je mets sa quatre actions là en pratique. Si je suis capable, toutes les semaines, les plus bons, d'après nos capacités, d'après nous, les temps qui nous libre, nous faisons des efforts, nous mettons ces quatre actions-là en pratique dans un jour, quantité qui nous capable, et Inch'Allah, nous avons l'espoir qu'il nous gagne sa récompense-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith qui est avec nous, action qui est avec nous, c'est concernant trois actions que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui bandimon de paradis, zot pour de paradis à travers sa bonne action là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, imna fil jannati ghurafa. Certainement de paradis, il y a ban la chambre. Ghuraf ici est au pluriel, ce singulier c'est ghurafa, en la chambre. Ghuraf, il y a plusieurs ban la chambre de paradis. Yura vahiruha min batuniha. Depuis ce déo, nous trouve en dedans. Depuis des hauts, nous trouvons en dedans. Ça va dans la chambre, qu'il y en a de paradis là, depuis des hauts, nous trouvons en dedans. Wa batinuha min zahiriha. Et pareil, depuis en dedans, nous trouvons des hauts. Et là, dans la chambre de paradis, à travers ça va dans la chambre là, un dimoun depuis des hauts, les trouve en dedans, depuis en dedans, les trouve des hauts. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasul Allah. الصحابي قبل أبو مالك الأشعري اللي جابك رسول صلى الله عليه وسلم لمن هي يا رسول الله سبان لا شعب لا بو كي سان لا سا او مساجي دالا كي بان اكشون كي سبان جمون لا فين فيا بو كي زد فين جاي سبان لا شعب لا دا باردي قال رسول صلى الله عليه وسلم جيا لمن أطاب الكلام رسول صلى الله عليه وسلم جيا pour ben, c'est lui qui lui fait sa parole vin bon, c'est-à-dire les causes ben bon parole. Wa at'am at'am dejem, lui donne à manger, wa bata qa'ima, lui passe la nuit debout, da ibadat wa nasu niyamun, et ben dimun zot pe dormi.
Donc dans ce hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toujours nous retrouve encore l'importance wa at'am at-ta'am, dix actions là-dedans, donne à manger et fait namaz la nuit pendant qu'il mandimoun peut dormir. Ça, dix actions là, nous déjà apprenons dans le hadith précédent. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait quatre actions, les bourrades de paradis en sécurité. Fan salam, donne à manger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Garde relation familiale. Et quatrième, fait namaz dans la nuit, mandimoun peut dormir. Un musulman, un celui qui a iman, il croit dans l'existence paradis. Il est sûr et certain que paradis est même meilleure place qui est là pour les gens vivre. Pena en l'autre plus meilleure place que ça. Pena en l'autre plus meilleure place pour les gens vivre que le paradis. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître dans un hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous une description paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin décrit un paradis. Qui fait? Afin qu'il soit capable d'une motivation pour nous. Afin qu'il soit capable d'une motivation pour nous. Quand nous demandons qu'il y a une jouissance, qu'il y a un plaisir qui est dans le paradis, ça capable motive nous, nous faire plus d'efforts afin qu'il nous capable de gagner une place dans le paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Ben, quelque chose qui a affecté ben, du monde, l'eau, ça, là, là. Par exemple, maladie. Nous connaissons un monde quand il est malade, comment il souffre, quand il peine à la santé. De paradis, pas pour une maladie. Du monde, jamais pour malade de paradis. Ben, les autres, quelque chose, comme un du monde, son lien enrhumé, son aîné, coulé, il me s'est moussé, ou soit craché. Ça, ben, quelque chose, là, pas pour une de paradis. De paradis, pas pour une l'amour. Pas pour une l'amour de paradis. Ban qui fin rentre de paradis, zot pour reste de paradis éternellement. Zot pour reste de paradis éternellement, pas pour une l'amour, jamais. Jamais zot pour mourir. Zot pour vivre une la vie qui peine à la fin. Une autre chose encore qui peine de paradis, peine à vieillesse. Dimoun, pas pour vivre vieille de paradis. L'osalaté là, après arrive un certain temps, nous arrive à l'étape de vieillesse. Nous vivons faible. Nous peinons courage. À quand dans l'étape vieillesse, nous avons une maladie, une complication. Mais dans le paradis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître pas pour une vieillesse. Dis-moi pour rester jeune dans le paradis. Peine à l'amour, peine à vieillesse, peine à maladie, peine à mousser, peine à cracher. Et aussi, pas pour une mauvaise parole. Une parole qui nous donne l'eau salatée là, qui fait du monde sur lesquels il fait un mal. Pas pour une mauvaise parole là. La yasma'ouna fiha la roi. Illa qilan salaman salama. C'est qui vous demandez salam, salam. Et aussi, l'eau salatée là, comment nous connaît? Bandimoun, il y a certaines bandimoun. Vous vivez comme à l'ennemi. Il y a jalousie entre bandimoun. De paradis, pas pour une l'ennemi. De paradis, pas pour une la jalousie. Donc imagine-nous, quelle qualité de la vie pour être dans le paradis? Quelle qualité de la vie pour être ça, la vie de paradis, que pas pour une savante quelque chose. Vraiment, pour une la vie qui peine à aucun doute, une la vie qui est un démon, les plus content de sa la vie qu'il est pour vivre dans le paradis là. Les pour réaliser, les efforts qui m'ont fait au salaté là, pour me réciter ce paradis là, pas les efforts qui m'ont fait dans le vide. Les efforts qui m'ont fait au salaté là, pour un paradis, m'ont fait sacrifice. Et dans certaines banquettes choses qui me tiennent à désir, me tiennent à plaisir, dans certaines banquettes choses qui sont haram, mais seulement, je ne prends pas chance. Je fais sacrifice. Alors, ça dit, mon là, de paradis, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, qu'est-ce qu'il vous dit à habitant paradis? Koulou wa sharabu hani'a. Mangez pour à l'aise, bima aslaftum fil ayyam il khaliya. Pour ce qu'ils ont fini faire, ben, action qu'ils ont fini faire, dans ben, jour du passé. Et dire, l'on salati là. Là, ça joue là, c'est 10 jours récompense. De paradis, il y a 10 récompenses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, la hum fiha ma yasha'un. Dis-moi qui de paradis, il est pour gagner ce qu'il voulait. Ce qu'il désirait, il est pour gagner de paradis.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Aucun nafs pas connaît ce qui fait une cachette poulie de ban confort ou satisfaction se léger. Nous léger pour satisfaire avec ban confort ou ban satisfaction qui est dans le paradis. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique ce ayat-là par quand il dit un hadith. Khudsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi fin prépare pour mon ban s'inviter quelque chose qui aucun léger pas fin trouver. Ban quelque chose de paradis peine à se semblant l'eau sa dunya là. Peine à pareil l'eau sa la tiya là. Qui aucun oreille pas fin t'entendre, qui aucun léqué pas fin percevoir. Vraiment, la vie de paradis, les pour une la vie différente de ce qui nous peut vivre au salatiala. La vie de paradis, les pour une la vie qui est bien différente de ce qui nous peut vivre au salatiala. Au salatiala, la vie au dunya est la vie qui est remplie avec difficulté, remplie avec sa petite chose qui nous fait mentionner là, et la maladie, et la vieillesse, et la mort, mais de paradis, pas pour une toute sa petite chose là. Donc nous, en tant qu'un musulman, qui nous l'objectif le bizarre ça même en tant qu'un musulman, en tant qu'un qui est un iman, nous l'objectif bizarre paradis. Mais pour un paradis, il y a des efforts, il y a des sacrifices qui bizarre fait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Est-ce que nous pensons que nous pourrons dans le paradis et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas connu qui s'en là parmi nous, qui fait une fière zéphore, qui s'en là parmi nous, qui fait une prend par chance. Dans ce hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître qu'il y en a dans la chambre de paradis, qui se déhaut, trouve en dedans, se en dedans, trouve des hauts, et ensuite Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionne trois catégories du monde. Il y en a dans les autres riwayats qui mentionnent quatre catégories du monde. Hadith qui est avec nous, il y en a trois catégories du monde qui zot pour gagner sa main la chambre là de paradis. Premier, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, liman ataba al kalam. Pour celui qui les cause, ben, bon parole. Peut-être nous pas réaliser les bons qui nous fait un rappel concernant sa ayat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Les bons qui nous réfléchissent sa ayat là, chacun parmi nous. Juste sa ayat là, il suffit pour qu'il y ait un dimoun. Avant n'importe qui parole qui sortit depuis de la bouche, les réfléchit bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma yalfidhu min qawl, pena aucune parole qu'il y prononçait, illa ladayhi raqibun atid, excepté qu'il y en a un observateur qui l'y pénotait. Il y en a un ange qui pénotait. Qawl, parole. Qui l'y bon parole, qui l'y mauvais parole. Et connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ من فاويك الله في فعلونه كما الله في كونه دسور بلد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله سبحانه وتعالى قومي من فاويك الله في فعلونه الله في دنو ديجي ولسانا وشفتين الله في دنو ان لا لان الله في دنو دي لاليف ça c'est pour من فاويك الله سبحانه وتعالى في فعلونه et un musulman tout man faveur qu'il a gagné depuis Allah subhanahu wa ta'ala lui montre et lui reconnaissant. Comment pour montrer nous reconnaissant, c'est à travers nos services à Faviela dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Service à Faviela de ban quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala content, ban quelque chose qui Allah fin permet. Sa membre, sa organe qui est dans nos l'écho, qui appelle la langue là, connaît, chers frères et sœurs, que c'est un membre l'écho qui est bien dangereux. C'est un organe qui est bien dangereux, qui comment est capable li amène nous vers paradis, comme ça même li capable amène nous vers l'enfer. La langue, oui, la langue, li capable amène un démon vers paradis, comme ça même la langue, li capable amène un démon vers l'enfer. La cause qui nous peut trouver, dans plusieurs hadiths, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettre l'emphase. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettre l'emphase pour nous contrôler nous la langue. Cause man bon parole. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui trouve de Bukhari. Certainement, un serviteur lui pour cause une parole qui Allah satisfait, qu'il lui pensait une parole insignifiante. Certainement, un serviteur lui pour cause une parole qui Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait avec sa parole-là. Mon ordonne un dimoun pour faire un le bien à travers vos paroles,
Vous faites ordre d'un zimoun pour faire une bonne action et zimoun là, fin mettre cette action là en pratique. Les capables d'une action qui simple. Nous ne pensons qu'il y a une parole insignifiante qui fait sortir de nous la bouche. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa parole là, Allah l'a élevé sa zimoun là pour plusieurs degrés. À travers sa parole là, Allah élevé sa zimoun là pour plusieurs degrés. Comme ça même sur les contraires. Un zimoun, un serviteur, les boucos, une parole qui déplaît à Allah. Une cause mentie. Une prolonnière intel. Une parole qui déplaît à Allah. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il pensait qu'il y a une petite chose qui est insignifiante. Et la fois, une parole sortie de nous la bouche. Et la fois, une parole sortie de nous la bouche sans qu'il nous réalise qui nous peut causer. Sans qu'il nous réalise qui nous peut causer. Sans qu'il nous réalise sa parole qui nous sortit de nous la bouche là. À travers sa parole là, il peut saigner les qui a dit monde. À travers sa parole là, mon befeya dit mon pleurer à travers parole. Comment dit mon pleurer à travers ma sainte parole qui sortit de la bouche. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ça dit mon là, il pensait parole là insignifiant, une parole qui sortit de la bouche, il pas réalisé avant de causer, il pas réalisé. Dès causer aller après, il pas réalise dégâts que sa parole là fait. Mais à cause de sa parole là, Allah pour consigner sa zimoun là à l'enfer. À cause de sa parole là, sa zimoun là, il rentre dans l'enfer. Hadith qui trouve dans Bukhari. Comme ça même. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un autre hadith qui trouve dans Muslim, qui le serviteur, il dit, il y a une parole qui n'est pas réalisée sur répercussion. Souvent des fois, nous disons une parole qui n'est pas réalisée sur répercussion. Comment nous dire? Nous pas réaliser sa parole qui m'en dit là, il est capable d'une parole qui est une offense à un démon. Il est capable d'une parole qui, à travers sa parole là, m'en met un tasse à un démon. M'en cause un mentir à un démon. Comment vous êtes capable de répondre ça? M'en cause un mentir à un démon, m'en met un tasse à un démon. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, le serviteur, les diamants de parole qui n'est pas réalisé sur répercussion, mais les coulées de l'enfer, plus loin que distance entre l'Est et l'Ouest. Et Imam An-Nawawi, rahmahullah, lui dit, ce hadith-là peut encourager nous pour contrôler nous la langue. Ce hadith-là peut encourager nous pour contrôler nous la langue. Et un dimoun qui a envie de causer, les misères pensent concernant ce qu'il est pour dire. Un dimoun, il a envie de causer. Mon envie de causer, avec n'importe qui s'en a qui était, mon envie de causer. Avant qu'il me cause, alors, Imam An-Nawawi lui dit, qui un dimoun qui a envie de causer les misères pense concernant ce qu'il est pour dire. Avant de prononcer parole là, pense concernant ce qu'il est pour dire sur répercussion. Si il a bien fait là-dedans, ou causer. Si il y a une parole qui il a bien fait là-dedans, ou causer. Sinon, pas causer, reste tranquille. Il y a un dimoun qui compte causer juste pour causer comme ça même. Les compte causer pour faire dimoun rire. Les compte causer pour faire dito à les autres dimoun. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui a iman en Allah et jour qiyama falyaqul khayran, qu'il dise une bonne parole aw liyasmut, ou soit peine à bon causer, reste tranquille. Ça n'est plus bon pour ou peine à bon causer ou reste tranquille. Quand peine à bon causer, pas veut dire qu'il m'a obligé causer. Pas veut dire à cause tout le monde peut causer, moi aussi moi besoin causer. Moi peine à bon causer, tout le monde peut causer, moi me reste tranquille. Reste tranquille, ça plie mes dire. Et Imam Shafi'i rahmahullah, les fins comprennent ce hadith, sa signification, qui, si un démon a envie de dire quelque chose, il besoin réfléchir avant. Si un démon a envie de dire quelque chose, réfléchis avant. Ça même erreur qui nous fait, n'est causer sans réfléchir. Causer sans réfléchir, il n'est pas bon. Causer sans réfléchir, il n'est pas bon. Chacun parmi nous, avant qu'il nous puisse causer, réfléchit. S'il est pensé à travers sa parole là, qu'il n'est pas pour cause aucun dito, à travers sa parole qu'il va vous prononcer là. Il n'est pas pour cause aucun dito, à travers sa parole là, vous causez. Mais s'il est pensé qu'à travers sa parole qu'il est pour causer là, ça pour cause dito à quiqu'un, ou soit faux probablement, ça capable cause dito à quiqu'un, alors qu'il n'est pas causé. Une petite chose qui est simple. Avant de me causer, me réfléchir. C'est qui me dire bon, pas bon. S'il n'est pas bon, me pas causer. S'il est bon, me causer. Une petite chose simple. Une petite chose qui est simple, mais qui beaucoup parmi nous, nous pas prendre cette petite chose là comme une petite chose qui est grave. Nous pas prendre cette petite chose là comme une petite chose qui est grave. Nous prenons à la légère. C'est qui saute dans mon bouche me causer.
Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Mouaz, après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit en Saint-Élie, quelqu'un demande la loi de l'islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Mouaz, est-ce qu'il ne m'a pas dit à toi, fondation de tout ça, demande la loi qui m'a fini en Saint-Élie, là? Mouaz dit, bien sûr, au prophète d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit attrape sur la langue. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit attrape sur la langue et finit d'aller contrôler ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit attrape sur la langue et il dit à Mu'adh bin Jabal, contrôle ça, contrôle de la langue. Et Mu'adh finit dire, au prophète d'Allah, est-ce qu'il nous peut être responsable de ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il y a un démon qui peut être responsable de la parole qu'il est prononcée? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il y a un démon pour être jeté dans l'enfer? L'autre figure ou soit l'autre néné pour autre qui c'est qui ont la langue fin récoltée. Est-ce qu'il y a un démon pour être jeté dans l'enfer? L'autre figure ou soit l'autre néné autre qui c'est qui ont la langue fin récoltée. Donc tout ça ben hadith là et montrez-nous qui est important pour un musulman il y a un contrôle sur la langue. L'important pour un musulman il y a un contrôle sur la langue. Ça même la langue. Si nous pas qu'on contrôle, alors les capables les amènent nous vers l'enfer. Les capables amènent nous vers l'enfer. Et aussi, faudrait pas nous cause concernant ben, l'enseignement de l'islam, concernant ben, quelque chose halal, ben, quelque chose qui est haram, ou soit concernant telle action, permettre telle action des femmes sans connaissance, basant leur ben, hein, spéculation. Sans connaissance, faudrait pas qu'il nous cause concernant surtout ce qui est plus grave ben, l'enseignement de l'islam. Ça, la langue là, nous visons qu'on servit, surtout concernant ben, l'enseignement de l'islam qu'on nous peut causer. Il ne faudrait pas qu'il nous cause sans connaissance, nous cause sans quelque chose qui nous cire, nous spéculer, nous penser quelque chose là comme ça, nous penser cette action là, les gains droits, un gain droit à permettre, nous penser cette action là, les haram. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'immunes, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'immunes, les causes ben, quelque chose concernant l'islam sans qu'il y ait une connaissance. Les causes, man, quelque chose concernant les pays d'une fatwa, telle quelque chose halal, telle quelque chose haram, telle quelque chose permet, telle quelque chose des femmes, sans qu'il y ait la connaissance, les peut spéculer, les peut penser, sur l'esprit peut penser, ça quelque chose là, permettre ça quelque chose là des femmes. Et là, surtout dans ce moment qui nous était là, moment de Rosa, il est important pour nous prendre compte, nous, la langue. Il est important pour nous prendre compte, nous, la langue, connaît qui nous peut causer. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne un avertissement bien sévère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne un avertissement bien sévère. C'est lui qui, les paquets de mensonges, ban paroles qui ont une relation avec mensonges, mais dire c'est lui qui, les rosa, mais seulement les peines contrôle sur la langue. Les rosa, les peines causent menti, les rosa, les peines jouer, les peines maltraiter, les peines causent causer du monde. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin qu'il s'adit moun la li quitte se manger sur bois. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin qu'il s'adit moun la quitte se manger sur bois. Vraiment, c'est un avertissement qui est bien sévère que Rasul sallallahu alayhi wa sallam paye de nous. Allah pas besoin, en d'autres mots, Allah pas besoin sa qualité rosa là. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin sa qualité rosa là. Donc, chers frères et sœurs, à travers ce hadith là, nous résions encore, ça montre nous l'importance pour chacun parmi nous. Avant qu'une parole sorte de nous la bouche, réfléchis. Pose nous-mêmes la question. Sa parole qui m'a pas dit là, il a bien fait là-dedans. Est-ce que sa parole qui m'a pas dit là, il n'est pas pour cause qui qu'un dit tout? Est-ce que sa parole qui m'a pas dit là, moi, vous prends le nez, hein, qui qu'un? Si m'a trouvé une bonne parole, il a son utilité pour me causer, il a son utilité pour me prononcer sa parole là, me causer. Oh, donne le bien, empêche le mal. Oh, donne dix mondes conseils. Vous servez à la langue là pour faire zikrullah, pour faire tilawat Qur'an. Ça, c'est une façon qui nous capable, nous servir nous la langue d'une bonne façon qui pourra mener nous vers le paradis. Mais de l'autre côté, si vous trouvez qu'à travers sa parole qui vous prononcez là, vous connaissez avant de me causer ce qui peut sortir de mon labousse là, un mensonge ça. Vous connaissez bien ce qui peut sortir de mon labousse là, un mensonge, mon père cause menti là. Qui m'a fait, mon conti, causer? Non. Si vous connaissez une parole mensonge ça, Je ne vais pas prononcer, je vais rester tranquille. Si je connais la parole qui peut sortir de ma bouche, c'est une parole que je vous cause, dites-vous à Dimon. Donc, je ne vais pas prononcer. Donc, et la fois, nous avons tendance pour causer, sans réfléchir, sans penser concernant ce bon conséquence,
Et conséquence là, les bien grave. Conséquence là, les bien grave de qui façon, non seulement qui à travers la langue, vous pouvez faire du monde, dit tout, vous pouvez faire les qui fait mal, vous pouvez faire l'homme couler, mais aussi à travers ça, la langue là, ça vous vient un moyen qui est capable d'amener moi vers l'enfer. Et ça, c'est pas destination qui est un iman qui est souhaité pour aller à sa place là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que nous avons mentionné là, deuxième action qu'il dit, wa at'am at-ta'am, nous fait une cause longuement concernant cette action-là, donne à manger. Ça, c'est le troisième hadith que nous avons mentionné. Côté Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait cause concernant donne à manger. Et tous les trois hadiths, c'est un hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui cette action-là lui amène vers le paradis. Premier hadith que tu mentionnais, sa quatre actions qui nous mentionnait là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit, moun là, les rendre de paradis en sécurité. Deuxième hadith que nous fin mentionner hier, sa quatre actions qui Abu Bakr radiallahu anhu l'a fait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, sa action là, il n'est pas réuni dans aucune personne, excepté qu'il les rendre de paradis. Et c'est aussi pareil, sa action là, donne à manger, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaît, qui sa bande la chambre de paradis là, les fins réservées pour sa mandi moun là. Et troisième action qui est dans ce hadith là, وَبَاتَ قَائِمًا, c'est lui qui les passe la nuit debout, وَالنَّاسُ نِيَامٌ, les passe la nuit dans l'ibadat, وَالنَّاسُ نِيَامٌ, et مَنْدِمُونَ زُتْبِدُومِ, veut dire faire ibadat, faire namaz dans la nuit, pendant qu'il mandimoun pédoumi, comme nous fin dire, c'est une action qu'il faudrait un dimoun. Vraiment, il compte Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, il y en a la frayeur pour Allah, pour les péquites se lili, les péquites se sommeil, pour les vins prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour les faire ban ibadat dans la nuit. Ça prouve ce l'amour pour Allah, ce la frayeur qu'il y en a pour Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment ce désir pour les gains paradis. Pas tout dimoun qui, zot ena, sa désir pour se faire sa action là, pour mettre sa action là en pratique, faire la mal dans la nuit pendant qu'il mandimoun peut dormir, c'est une action qui s'acquène parmi nous. Nous devons faire des efforts pour nous cultiver sa action là. Et si nous voulons bien sa dernière action là, wa at'amu at'am, d'un dimoun à manger et faire la mal dans la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala de plusieurs places de Coran, quand Allah peut cause concernant le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui parmi ben action qui ben habitant paradis fin faire qui fin amène zot vers paradis et dans sa des action là là-dedans c'est de type dépense zot l'argent l'oban pauvre l'oban dimoun l'oban miskin et aussi de type donne à manger. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ça dit action là, les mentionner dans sa ayat là, dépenser dans ce qui Allah fin de nous et en parmi une façon qui nous capable dépenser qui nous besoin dépense nous l'argent, c'est wa at'amu at'am, c'est d'un mandimon manger. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah aide nous pour nous mettre ces trois actions là en pratique dans nous la vie, afin qu'il nous capable de venir parmi ban que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître dans ce hadith là, qui est pour le paradis, est pour dans sa banne la chambre, qui depuis des hauts trouve en dents, et depuis en dents trouve des hauts. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.